Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. On va commencer le tarot. Voilà, bah écoutez, bienvenue en Corse, bienvenue dans les fleurs, les plantes, les oiseaux. Là, on entend les oiseaux, c'est vraiment très agréable. Il doit être à peu près 7 heures. Il y a le soleil qui arrive de derrière les montagnes. Voilà. Ah, bah ça commence à tomber. On a décidément, c'est encore des bâtons. C'est encore des bâtons, mes amis. Ça arrête pas de se battre dans la matière. C'est un 9 de bâton. Ah non, c'est un 9 d'épée. Ouh là là. Ah, mais attends, c'est un petit peu dur. 9 d'épée. Bon, mais écoutez, il y a des gens qui. On va faire les masculins. Et puis, puis, je ferai probablement une petite vidéo sur les féminines. Parce que, alors là, visiblement, le 9 d'épée est inversé, donc ça veut nous dire, je vous dis, c'est des personnes qui sont à la fin d'un cycle au niveau du mental, hein, le mental va bientôt lâcher, va bientôt s'effondrer. Donc on va dire qu'il y a des dépressions, il y a des pleurs, il y a des gens qui sont très 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 mal dans une situation. On va dire que les épées, c'est l'air, donc ça peut concerner les signes d'air, éventuellement. Mais bon, l'air, c'est aussi les pensées. Il y a peut-être des gens qui ont eu trop d'air dans leur cerveau, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, le mental les a vraiment totalement régis dans leur vie par rapport à l'intellect. Allez, j'arrête de battre. Alors, donc là nous avons un 5 de bâton, vous voyez, donc bah, écoutez, le 5 on est dans dans l'hiérarque, on est dans la matière, on est vraiment en train de lutter, hein, de lutter, mais là c'est la matière, on lutte contre les gens, on lutte dans des situations très très difficiles. On lutte pour ses valeurs aussi, on lutte pour pas perdre une position. Voilà, clairement, par exemple, vous êtes devant, par exemple, ça peut être dans une entreprise, vous êtes en train de vous faire licencier et puis ben, vous ne voulez pas, en tout cas, lâcher ce qu'on vous doit, en gros, et vous êtes en train de vous battre devant une juridiction, peu importe laquelle. Et là, en l'occurrence, c'est le cas parce que vraisemblablement, il y a des gens qui, dans leur vie, sont totalement assiégés. Évidemment, vu qu'on est sur un 9 d'épée, eh bien, on va dire que c'est le coup de grâce. Hein, c'est la goutte qui va faire déborder le vase. C'est l'événement qui est en trop, qui va complètement justement renverser une situation ou peut-être. Faire arriver des masculins, on va dire, à l'effondrement de l'ego. Alors là, nous avons une reine de coupe inversée. Donc voilà, donc quand les cartes sont inversées, ça veut dire qu'on est dans les hauts chakras. Donc en fait, il y a des gens qui... Il y a des masculins qui ne dorment pas par rapport, en tout cas, à l'amour pour une femme hein, ou une femme pour lequel ils ont des sentiments. Là, nous sommes sur un 6 de coupe inversé aussi. Donc, c'est des personnes, c'est des hommes qui ont des regrets. On retourne dans les regrets et dans les gens qui ne dorment pas la nuit. Donc, la nuit, il y a des masculins qui pensent à une femme auquel ils aiment, qu'ils aiment. Mais on va dire que, bon, bah voilà, ça les met très très mal. Hein, ça les met dans des situations de dépression, de pleurs, d'angoisse.
Et en même temps, dans la matière, on va dire que tout est bloqué. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne peuvent pas sortir d'une situation, qui sont obligés de garder leur position pour arriver au terme, en fait, d'une réalisation dans la matière. Hein, voilà. Mais en même temps, il y a quelque chose de karmique. 6 de coupe, c'est aussi 6, c'est la lettre hébraïque Vav. Et donc Vav, c'est l'amoureux. Donc en fait, on est sur une dualité du mental concernant une femme. Là, nous avons la lune. La lune, évidemment, c'est quelqu'un qui traverse ses émotions. C'est quelqu'un, je vous dis, qui scrute l'abîme. On est dans la nuit noire de l'âme. Elle est juste au-dessus, juste en dessous du 9 d'épée. Donc clairement, la nuit, c'est un cauchemar, hein, pour des hommes. Il y a une dualité du mental très très importante. Il y a un cheminement d'un homme, je vous dis, vraiment dans son intériorité. C'est par rapport à des illusions. Bon, j'en ai déjà plein reparlé beaucoup de fois, c'est-à-dire que en fait, il y a des personnes qui se sont fourvoyées, à la fois dans une situation dans la matière, ça peut être sur une relation amoureuse aussi. Et en même temps, c'est quelqu'un qui se, enfin, c'est des hommes qui se sont fourvoyés aussi sur des relations sentimentales par rapport à une femme qu'ils ont connue par le passé. Voilà. Et en même temps, la carte de la lune, je vous dis, c'est la lettre hébraïque Tsadi. Donc en fait, on est sur des gens qui sont sur le dévoilement de leur intériorité, qui sont sur le dévoilement de leurs valeurs sociales. Voilà. C'est des gens qui croyaient à des choses qui pensaient être bien, qui se sont avérées fausses ou qui les ont mis dans des situations de sacrifice ou d'injustice dans la matière. Là, clairement, c'est un 2 de bâton. Là, il y a un vrai chemin qui est en train de se profiler. On est en train de changer de route, hein, c'est l'aiguillage. C'est l'aiguillage de Bina, on va dire, hein, on va dire à la fois dans la matière et dans les sentiments. On va dire on a deux possibilités et c'est par rapport en tout cas à une femme pour laquelle les hommes ont beaucoup d'attirance, parce que le bâton évidemment c'est la passion et le 2 en fait on est dans baisse. La lettre hébraïque numéro 2, on est dans la papesse et on est dans la prêtresse. Et donc en fait, on est avec des hommes qui restent dans le silence par rapport à un choix, par rapport à leur passion, par rapport à leurs sentiments. Et c'est aussi le commencement. Voilà, on est en train de prendre un autre chemin aussi par rapport au dévoilement des illusions qu'on peut avoir par rapport à des valeurs auxquelles on croyait mais qui étaient fausses. Là, nous avons un 8 de Pentacle. Donc, c'est clairement pour... Il y a une histoire, si vous voulez, en gros, quelqu'un a fait une erreur dans sa vie. Il n'a pas choisi visiblement la bonne personne ou il s'est trompé sur peut-être quelqu'un qui a porté beaucoup d'abondance dans sa vie, sur une amie, voilà, ça peut être aussi un partenaire de travail, hein, parce que bon, il peut y avoir des relations, on va dire, un peu à la fois sur le côté émotionnel et puis en même temps. Et en gros, dans le passé, des masculins ont eu quelqu'un dans leur vie, et cette personne a porté beaucoup d'équilibre au niveau de leur ancrage, au niveau de leur santé et au niveau de l'argent. Voilà. Il y a quelqu'un qui a porté la chance dans la vie d'un masculin. Et là, en l'occurrence, le 8 de Pentacle, c'est des gens qui peuvent faire beaucoup d'efforts. Dans leur voilà et en même temps ils n'ont pas forcément les résultats escomptés. Donc il y a des blocages dans la matière par rapport à l'argent. Il y a des blocages dans la matière aussi parce qu'il y a des gens qui sont malades et qui ont des problèmes d'ancrage, des problèmes de rééquilibrage parce que sinon on n'aurait pas la lune et le 8. Donc on est déséquilibré par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments.
Et très clairement, il y a des personnes qui tiennent des positions aussi par rapport à des décisions de justice. Alors, j'explique, hein, quand je dis de justice, c'est soit la justice divine, donc il y a un éclaircissement, il y a un troisième œil, soit en fait, c'est la justice des hommes, la justice réelle. Et c'est souvent aussi, parce que le 8, c'est être, hein, donc voilà, c'est la justice. Et donc, en tout cas, ce sont des mauvaises décisions qui ont conduit en fait les masculins soit à être malades, voilà, alors malades psychologiques, dépression et tout ça. Bon, je vous fais pas la liste. Soit en fait, c'est un mauvais choix qui a conduit, on va dire, à les mener peut-être par rapport à un procès, par rapport à une relation sentimentale qui s'est avérée, on va dire, corrompue. J'ai toujours ma petite guêpe du matin. Soit en fait, c'est une personne qui était dans leur passé qui, on va dire, leur portait chance. Voilà. Et donc, puisqu'on a la reine de coupe inversée avec le 2 d'épée, le 2 de bâton, pardon, voilà, je vous montre, c'est aussi des personnes qui se sont trompées de chemin, voilà, par rapport à une relation sentimentale. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, donc je vais recouvrir. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon petit montage. Alors, bon, je vous explique un petit peu. D'abord, bon, j'ai fait ça il y a quelques jours et avec ma marraine. Et c'était par rapport en fait au tirage, parce qu'à chaque fois, on avait le troisième œil, le troisième œil, le troisième œil. Bon, alors donc j'ai voulu illustrer ça, mais pas seulement. En fait, bon. Si vous reprenez mes vidéos un petit peu anciennes, en fait, vous vous rendrez compte que, en fait, moi, je m'applique tout ce que je fais, en fait, ben, je suis mon testeur, vous voyez. Et donc, en fait, ben, dans ma vie, si vous voulez, il y a encore quelques années, j'avais 10 kilos de trop, on va dire. Et donc, eh bien, j'ai appliqué, si vous voulez, ben, tout ce que je vous dis dans les vidéos, ben, je l'ai appliqué. Et je me dis, bah voilà, moi je fais du yoga, j'ai fait de la danse, j'ai fait beaucoup de choses, mais surtout du yoga. Et je me suis dit, bah il y a peut-être des gens, voilà, ça va leur donner envie de faire du sport, ça va leur donner envie de se bouger, voilà, ça va leur donner envie, voilà, d'être jolie, de s'occuper d'elle, voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Je vous dis, c'est pas trop mon truc, l'exposition, hein. Déjà que je me mets pas au soleil enfin très peu et donc voilà donc bon bah écoutez j'espère que vous apprécierez et je posterai des petites stories parce que bon bah c'est l'été et puis bon bah c'est sympa sur Instagram Instagram 500 grammes c'est comme le cerveau. Voilà, donc c'est. Voilà, je vous explique, hein, je me justifie pas, mais ouais, je préfère expliquer quand même. C'est pas trop mon truc de faire ce genre de choses, mais c'est bien, c'est. Pour moi, ça fait partie de l'exercice, vous voyez. Alors, donc là, nous avons. On a quelqu'un qui est pas content. On a un roi d'épée, je veux dire, il est pas content du tout, je sais pas si vous le voyez. On dirait François Ier. Il a sa barbe rousse. Ouais, il a ses bottes de 7 lieues aussi. Donc clairement, donc en fait, c'est un roi d'épée en dos. Ça veut dire que c'est quelqu'un là qui avance avec une stratégie. C'est quelqu'un qui n'est pas content. C'est quelqu'un, on ne lui refera plus le même coup. C'est des gens, c'est des hommes qui vont être totalement sur le mental. Mais bon, là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une stratégie et grâce, en fait, on va dire à l'intellect, c'est quelqu'un qui va reprendre, en tout cas, voilà, qui est en train de se battre et qui est en train de se battre sur une stratégie qu'il a mis en place. Là, nous avons quelqu'un qui vous attend, voilà, un roi de coupe. Vous voyez, bon, c'est un homme d'un certain âge, on va dire. C'est un homme qui est dans ses émotions, qui a parfaitement équilibré. Qui est en train d'équilibrer en tout cas ses émotions. Voilà, c'est un homme qui, va dire financièrement, on va dire socialement, est en place. En même temps, il y a un bateau qui part.
Donc c'est probablement quelqu'un qui va partir sur des émotions, ou suite à des émotions, suite en tout cas, voilà, parce que sinon, la carte est sur le 9, hein, le 9 d'épée. Donc en fait, on va dire que c'est quelqu'un qui est en train de partir suite à des émotions qu'il a eues. Là, nous avons la mort inversée sur la reine de coupe. Donc c'est par rapport à une relation sentimentale, quelqu'un qui était peut-être assez perverti au niveau des sentiments, voilà, qui n'était pas très clair autour de certains masculins. Et donc en fait on a la mort, carte numéro 13. Donc en fait la mort, la lettre hébraïque c'est même, et la mort c'est aussi l'eau. Donc en fait c'est quelqu'un qui est en train de trancher en tout cas une situation par rapport à une femme qui est une reine de coupe. Donc voilà, et c'est une personne, puisqu'elle est à l'envers, on peut la lire comme ça. Ensuite, donc le 6 de coupe, là on a une reine de baguette inversée, donc tout ça évidemment va arriver dans la matière, hein, on est en avance, vous voyez, ça s'appelle les prédictions. Donc en fait le 6 de coupe, eh bien ça correspond donc à une personne du passé ou à des sentiments du passé, et nous sommes sur, je vais la mettre à l'endroit, c'est plus joli, on est sur une reine de baguette, donc une reine de bâton. Donc en fait là on est sur une personne pour lequel en fait des masculins eux ont beaucoup de sentiments et beaucoup de passion. Voilà, on est vraiment dans la passion, hein, voilà. Et en même temps, le 6 de coupe, je vous dis, c'est une femme du passé. Ce qu'on peut voir, c'est cette femme aime les animaux, elle a des chats, ou elle pratique, on va dire, une certaine sagesse, hein, une sagesse ancestrale, ou quelque chose qui a rapport avec, on va dire, des sagesses du passé. Voilà, reine de baguette. Bon, je les mets à l'endroit parce que c'est quand même assez désagréable, toutes ces cartes à l'envers. Ensuite, donc là, nous avons un as d'épée. Bon, il était aussi à l'envers, hein, mais je l'ai mis à l'endroit. Un as d'épée, donc clairement, sur les illusions, mes amis, ça va trancher sévère. Et ça va trancher après une période de pleurs, une période d'angoisse, une période totalement déséquilibrante, une période de nuit noire de l'âme. Et donc, on va dire qu'il y a des masculins qui vont avoir, on va dire, un triomphe, hein, un triomphe sur leurs émotions. Là, c'est pareil, la carte est à l'envers, c'est la carte du fou. Donc, c'est quelqu'un qui reprend les choses à zéro, c'est quelqu'un qui se remet en route, c'est quelqu'un qui s'en va. On est sur un 2 de bâton, donc en fait, c'est quelqu'un qui s'en va pour des raisons sentimentales et émotionnelles, pour des raisons, on va dire, des raisons passionnelles, hein, parce qu'on a le... Vous voyez, sur cette carte, c'est magnifique, en fait, on a ce soleil, sur le côté qui arrive. Donc voilà, donc là clairement il y a des gens, des hommes qui sortent du dîn, qui vont sortir de la rigueur, qui vont sortir aussi des dépendances affectives, qui vont sortir du noir, qui vont sortir de l'obscurité, qui vont sortir de leurs illusions. Donc on est clairement sur le dévoilement de l'ajna, le dévoilement du troisième œil. Et ce sont des personnes qui vont partir. Alors le fou, moi je dis que c'est la lettre Shin, hein, carte, enfin c'est la lettre numéro 21 des lettres hébraïques. Donc clairement, on est sur les possibilités infinies du chaos, comme je vous l'ai dit à chaque fois. Voilà, donc en fait, évidemment, on est sur un 2 de bâton, donc en fait, on est en train de prendre un chemin et on a une possibilité. Et donc là, nous avons un roi de baguette, hein, donc un roi de bâton. Donc on n'a que des rois, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il y a quelqu'un qui reprend vraiment le pouvoir, qui est vraiment en train de sortir de ses illusions et qui est en train de prendre sa vie en main. Et ça concerne aussi, ben, c'est des gens qui ne laissent plus le volant de leur voiture aux autres, hein, peut-être au sens propre comme au sens figuré. Donc un roi de bâton sur un 8 de denier. Donc il y a quelqu'un aussi qui est en train d'élaborer une stratégie par rapport à de l'argent. Ça se fait, voilà, c'est quelqu'un qui sort du désert et qui va arriver sur une certaine abondance. Et c'est par rapport en tout cas à une femme pour laquelle il a beaucoup de sentiments. Donc là, clairement, dans la matière, dans les quelques jours qui vont suivre, un événement...
un événement soudain par rapport à quelqu'un qui est très malveillant, on va dire. Voilà, il y a des masculins qui étaient dans des illusions par rapport à une femme, et on va dire que ça va arriver assez soudainement, et ça va être, vous voyez, ça va être le début de quelque chose. Et ça va être une grosse remise en cause, parce qu'évidemment, tout ça, c'est des remises en cause. Donc, on va continuer avec mon autre tarot. Dans la vie, il faut être OK à 100% avec ce qui vous arrive, bon, les masculins, mais aussi les féminines. Parce que fondamentalement, ce que vous vivez dans votre vie, c'est pas ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, ben c'est vous qui le décidez. Ce que vous êtes profondément, c'est vous qui le décidez. Le bonheur, c'est vous qui le décidez le matin. Voilà. Si vous avez envie de passer une bonne journée, ben vous décidez de passer une bonne journée, quoi qu'il se passe. Parce que ce qui se passe dans la réalité, ce qui se passe dans votre vie, il n'y a pas d'identification à avoir par rapport à ça. C'est pas parce que vous, bon, il se passe des choses désagréables. Enfin là, en l'occurrence, c'est plus que ça. Hein, c'est voilà, il y a des gens qui se font trahir, il y a des gens qui se font malmener sur des combats, on va dire, hein, de toutes sortes, hein, procès, héritage, tout ce qui passe. Mais ça doit pas, vous devez pas vous identifier en fait aux situations. Il n'y a pas d'identification à avoir. Et quand vous comprenez ça, que c'est vous qui décidez d'être bien, d'être dans le bonheur, voilà, d'avoir votre bonheur intérieur, et bien en fait, ce que vous allez comprendre, c'est que vous allez être dans la sécurité. C'est ça qui va vous mettre dans la sécurité. Et tout ce qui se passe dans la matière, tout ce qui se passe dans la réalité, en fait, vous avez une distanciation par rapport à ça. Voilà. Et donc après, en fait, et ben, vous serez OK à 100% avec tout ce qui vous arrive dans la vie. Parce que fondamentalement, eh bien, vous ne vous identifierez pas à ce que vous vivez. Évidemment, quand c'est négatif. Hein. Voilà, et c'est peut-être ça aussi qui se passe avec certains masculins. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui deviennent des rois d'épée, vous voyez. Qui sont sur la stratégie. Ça veut dire qu'en fait, il y a une distance. Et comme on a le fou qui est quand même un disciple, c'est quelqu'un qui est sur le chemin pour apprendre et pour comprendre, un roi de bâton qui est un homme qui est sur la passion, qui est passionné, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, eh bien, on va dire que c'est quelqu'un qui s'identifie plus à ce qui lui arrive. Donc il y a peut-être des masculins qui vont être peut-être malades, peut-être dans la dépression, peut-être que vous allez faire des examens de santé, ou peut-être que y a des documents administratifs qui vont arriver, enfin tout ce genre de choses qui peuvent vous mettre complètement à l'envers. Et en fait, à la suite de ça, en fait, il y a un événement de trop qui va faire que, en fait, il va y avoir un effondrement de l'ego, donc de l'identification au faire. Pour en fait que les masculins, mais ça peut être aussi les féminines, en fait vous rentriez dans votre intériorité et vous deveniez ce que vous devez être et non pas ce que vous devez ce que vous percevez être par rapport au faire. Voilà. Alors là, nous avons clairement, bah, écoutez, c'est très très compliqué, hein, pour certains masculins. Nous sommes dans la trahison. On est sur un 10 de bâton. Alors, la carte, elle est droite, donc c'est en ce moment. C'est la numéro 26. Alors, 26, c'est Elohim. Elohim, c'est la rigueur. Donc, clairement, on est dans la justice. On est dans la justice divine. Il y a un événement extrêmement difficile, dur, violent. Voilà, de trahison, de noirceur. On est vraiment dans l'obscurité la plus complète, hein. On est en train de marcher dans sa vie à tâtons. Le 10 de bâton, on est sur la fin d'un cycle, et comme on était sur un 9 d'épée, hein, eh bien, on va dire que, voilà, je vous dis, on arrive vraiment au seuil de quelque chose.
26 et 8, et donc ça concerne la justice, donc soit la justice dans la matière, hein, la justice, les tribunaux, quels qu'ils soient, hein, ça peut être de l'administration, ça peut être vous passez devant une commission, enfin peu importe laquelle. Et donc là, en fait, il y avait un obstacle, il y a eu des obstacles, hein, vous avez traversé les obstacles, les masculins, et là vous avez un événement ultime. Qui est une énorme trahison. Et donc, à la suite de ça, vous allez être extrêmement stratège, voyez. Et là, vous êtes en train de lutter pour conserver votre position. Ça concerne un avocat. Donc, il y a quelqu'un qui a filé des papiers à la partie adverse, hein, pour être très clair, mais ça peut être, voilà. En tout cas, c'est un homme méchant, hein, dans votre karma, les masculins. Et c'est un roi d'épée. Donc, c'est peut-être... on a deux fois le roi d'épée. On a deux fois le roi d'épée. Clairement, soit c'est votre avocat qui vous a trahi, soit c'est une personne, on va dire, de votre cercle qui vous a trahi. Il y a des gens qui sont fait trahir aussi par rapport, en fait, à des sentiments. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement proche. C'est quelqu'un qui a raconté, qui a été très malveillant, qui a raconté des choses qu'il n'aurait pas dû raconter. C'est peut-être par rapport à des relations sentimentales ou une nouvelle rencontre sentimentale. Enfin bon, bref, c'est quelqu'un qui a été très malveillant, qui a ragoté dans votre dos. Voilà, ensuite... là, eh ben, écoutez, on est dans la mort et dans le chaos, hein, ça ne peut pas être mieux, voyez. La mort, le chaos, voilà. Donc, et ça concerne en tout cas une femme malveillante, peut-être une femme qui met les masculins dans un truc genre procès, tribunal, voilà, des documents administratifs où les masculins sont obligés de se justifier. Et voilà, il y a une espèce de perversité et de manipulation par rapport à des sentiments. On va dire. Et donc là, en fait, la carte numéro 1, donc très clairement, on est dans Aleph. Le chaos, c'est le début. Hein. C'est le début d'un nouveau cycle, c'est le chaos et c'est la mort. Ensuite, écoutez, là, c'est quelqu'un qui erre au niveau, on va dire, de son intériorité. Hein. On est dans le néant, on est dans la mort. On est dans la mortalité, carte numéro 17, hein. 17 c'est l'étoile, hein, mais elle est renversée, donc clairement sur une reine de bâton, donc une reine qui de passion, c'est un homme qui n'a plus aucun espoir, et c'est une femme du passé. Donc il y a un homme qui n'a plus d'espoir, c'est pour ça qu'il erre dans le néant, hein, comme un squelette, hein. C'est quelqu'un qui peut-être aussi se fait dépouiller. Dépouillé psychologiquement, dépouillé nerveusement, dépouillé de son argent. Là derrière, on est sur un 7 d'épée, donc par rapport à une situation ou à une décision tranchante suite en fait à la découverte peut-être d'illusions ou à la découverte de papiers ou à la découverte de gens qui vous ont trahi autour de vous. Eh bien, avec le 7 d'épée, vous êtes en train d'élaborer une stratégie. Voilà, donc ça tourne en rond dans votre tête, hein, vous êtes c'est très dur. Mais en tout cas, c'est pour prendre en fait des avis autour de vous. Et c'est par rapport à un espoir. C'est par rapport à un espoir pour vous en sortir. Et c'est par rapport aussi, je vous dis, c'est peut-être par rapport à une reine de bâton. Mais pas seulement, hein. Donc 57, évidemment, on est sur un homme qui est en train de reprendre, on va dire, un certain courage. Et ça concerne aussi, de la spiritualité. 57, ça fait 12. Donc en fait, on est dans le pendu, on est sur quelqu'un qui est en train de s'arrêter sur une situation, sur des émotions, sur une relation sentimentale du passé. Et qui va prendre des avis autour de lui et qui va trancher. Alors, ensuite, eh bien, nous avons l'inquiétude, donc avec un 7 de denier, c'est quelqu'un qui est très inquiet pour son argent, s'il part.
Voilà, c'est la carte 71. Donc en fait, là, très clairement, bah, écoutez, 7, hein, c'est Zaïn, c'est aussi le chariot. Donc si c'est une personne qui part, eh bien évidemment, là, c'est quelqu'un qui va laisser des choses. Voilà, et c'est un homme qui est extrêmement... En fait, cet homme, il est très inquiet à cause de ça. Il est très inquiet à cause de ça parce qu'il y a peut-être des masculins qui veulent quand même garder, on va dire, des choses, hein, des choses matérielles, hein, voilà. Et que s'ils s'en vont dans ces conditions, eh bien, ils vont probablement financièrement perdre beaucoup. Donc, clairement, c'est quelqu'un, par exemple, qui est dans une société. Voilà, ça se passe mal, il y a des trahisons, il y a plein de choses qui ne conviennent pas. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui se sent obligé de partir, hein, pour une, je vous dis, par rapport à une situation ultime, hein, un événement ultime, hein, quelque chose qu'on n'attend pas. Et c'est par rapport, je vous dis, à des histoires de procès et de trahison. Ou de trahison, pardon. Et donc, en tout cas, sont des gens que s'ils partent dans ces conditions, en fait, ils vont perdre de l'argent. Et c'est par rapport aussi, ce qu'on sent, c'est une dualité et en même temps, on va dire que c'était un partenariat avec quelqu'un en fait bah, qui les a trahis, quelqu'un de très vicieux au niveau des sentiments. Je vous dis, l'homme de robe, c'est les avocats, donc ça concerne réellement un procès. Et c'est quelqu'un qui part, hein. Le fou, voilà, on recommence tout. Et on a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, beaucoup d'angoisse, c'est pour ça qu'on a des épées. Et donc là, nous avons un 5 de denier. Un 5 de denier, donc en fait, on est sur un dénuement psychologique, affectif, sentimental, sans précédent. Donc on est sur un roi de baguette. Voyez, donc c'est par rapport en tout cas à une femme pour laquelle vous avez des sentiments, le masculin. Carte 73, on l'avait déjà. 3, c'est la lettre hébraïque Guimel. Et Guimel, évidemment, c'est l'impératrice, c'est l'abondance. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui, en tout cas par rapport à une femme, sait pertinemment que cette femme lui apporte l'abondance. Et il est en pleine réflexion justement par rapport à sa situation actuelle. Sur un 5 de denier, je vous dis, on est vraiment dans le désert. On se prend des coups de bâton partout. On est autour de soi, il n'y a que de la trahison, il n'y a que des problématiques à régler, des problématiques financières, quelles qu'elles soient. Parce qu'on est sur un 5 de bâton, donc c'est quelqu'un qui est obligé de tenir ses positions et qui en même temps est dans un désert affectif et sentimental sans précédent. Et donc qui repense à une femme qui visiblement lui apportait beaucoup d'abondance. Le 8 de denier, je vous dis, il y a des problématiques au niveau financier pour certains masculins et c'est ça qui provoque une certaine inquiétude. Donc, en gros, il y a des masculins qui vont être stratèges pour garder en fait une position par rapport à une situation actuelle et ça concerne en tout cas des obstacles et de la trahison. Alors, je continue. Voilà, le soleil arrive de derrière les montagnes. Je vous dis, c'est chouette, hein, c'est beau. Ah, c'est ça tous les jours, c'est quand même génial. Donc voilà, c'est pour ça que je fais partager parce que j'ai reçu des petits mails. Voilà, tout le monde ne part pas en vacances. Moi, pendant des années, ouais, je ne suis pas partie en vacances non plus. Pour des raisons qui me sont propres. Donc là, on a un 4 de pentacle qui vient de sauter. On a une reine de bâton. Et on a un 8 de bâton. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un homme qui va être dans une certaine sagesse, qui va se mettre au vert, qui va se mettre à la campagne, qui va commencer à aimer ce qu'il fait. 4 de pentacle, bon bah c'est les 4 de denier. Donc c'est 4. 4, c'est l'empereur, c'est l'équivalent en lettres hébraïques.
Et c'est quelqu'un qui est en train de construire ces nouvelles valeurs. Donc en fait, c'est des personnes qui peuvent être au vert, mises au vert, à la campagne, voilà, et ou qui se sont installées ailleurs ou qui vont s'installer ailleurs. Voilà. Et c'est par rapport en fait à une prise de décision qui va être très sage. Voilà, c'est des gens qui vont être d'une très grande sagesse en tout cas, qui vont peut-être avoir des voisins assez sympas, qui vont venir leur rendre visite. C'est des gens qui vont être très connectés à la nature. À côté, on a une reine de baguette. Alors attendez, je finis de trier. Donc ce qu'on sent, c'est qu'on sent beaucoup d'ancrage en fait. Alors, bon, en dos, nous avons l'as de bâton. Donc ça concerne une passion amoureuse. Voilà. C'est un homme en tout cas. Et par rapport à cette passion, il y a en fait un message. Un message qui arrive et qui va donner des cerises. Bon. Voilà, la carte est quand même assez claire, vous hein, voyez. Voilà, ça va donner des cerises. Attends, je vous montre, c'est assez rigolo. Voilà, donc vous voyez bien, enfin j'espère. Donc ce petit oiseau qui arrive, donc voilà. Donc en fait, le 4 de Pentacle, ça fait penser au dieu cornu aussi. C'est quelqu'un qui s'installe dans sa nouvelle vie. Je vous dis, le 4, on est sur l'équivalent, c'est l'empereur. Donc clairement, c'est quelqu'un qui reprend du pouvoir. Pour des gens qui sont peut-être qui ont été malades, bien écoutez, ce sont des personnes qui reprennent de la vigueur, qui reprennent du pouvoir, voilà, qui sont beaucoup plus, on va dire, structurés dans leur vie, qui sont beaucoup plus stratèges et qui ont un ancrage. Un ancrage, je veux dire, spirituel, matériel. À côté, nous avons une reine de bâton. Donc, en fait, la reine de bâton, évidemment, bon, bah, c'est des féminines. Hein, et donc, en tout cas, c'est une femme pour laquelle un homme a beaucoup de passion. Et donc, actuellement, on va dire, par rapport à cette reine de bâton, eh bien, on est dans le chaos, on est dans la mort. Voyez. Donc en fait, c'est des hommes actuellement qui n'ont, par rapport à une femme pour laquelle ils ont beaucoup de passion, eh bien, ils sont dans le désespoir. Voilà. Et ça concerne, je vous dis, de la malveillance par rapport à des trahisons, à une femme qui les a trahis. Bon, les cartes sont à l'endroit, là, en l'occurrence. Là, nous avons donc un 8 de bâton. Donc par rapport en fait à une traversée, alors, il y a des gens qui, on va dire, ils sont en pleine traversée du désert. Et donc on avait aussi par rapport à ça toujours la reine de bâton. Donc en fait on l'a plusieurs fois la reine de bâton. Et on a un 6 de coupe, donc c'était par rapport à une relation sentimentale du passé. Donc là on a un 7 de bâton. Donc clairement il y a quelqu'un qui travaille durement, on va dire, à son intériorité, voyez, à son feu intérieur, hein, c'est pour ça qu'on a la cheminée, qui prend des avis aussi pour avancer, qui, voyez, à côté, là, vous avez un coffre, donc c'est quelqu'un clairement qui a un trésor, hein, qui a un trésor caché. Ensuite, hein, nous avons un chevalier d'Atamé, donc une personne ou un message qui arrive très très vite. Hein. Et c'est par rapport en tout cas à un fou, hein, donc par rapport à un commencement, par rapport à un commencement d'une nouvelle relation sentimentale ou d'une relation sentimentale du passé qui revient. Et en tout cas, par rapport on va dire à ce message, eh bien, un homme va devoir faire un choix. Donc, enfin, le choix, c'est d'envoyer un message peut-être aussi. Et par rapport à ce choix, en tout cas, et par rapport à ce message, envoyé, je vous dis, à une reine de bâton, eh bien, un homme a beaucoup d'inquiétudes aussi. Là, nous avons une reine de pentacle. Donc, elle est inversée.
Donc en fait, on va dire que c'est une femme, évidemment, qui est une amant. Enfin, je la mets à l'endroit parce que bon, voilà. C'est une amant ou une amante, hein, vous voyez. Et donc c'est quelqu'un qui, par rapport en tout cas à cette femme, en fait, on a un roi de bâton qui se pose beaucoup de questions puisque nous sommes sur un 5 de denier. Nous sommes sur un 5 de denier par rapport à cela. Et donc la reine de Pentacle est inversée. Donc je vous dis, il y a peut-être aussi des malversations financières hein, d'une femme. Voilà. Et c'est dû parce que dans la vie de certains masculins, en fait, eh bien, on va dire, il manquait d'ordre. Et ça concerne aussi, je vous dis, ça concerne en tout cas un message qui va arriver, qui va provoquer beaucoup d'inquiétude chez un masculin. Voilà. Et comme on a à la fois la reine de bâton et la reine de pentacle, ça veut dire que cette femme, qui est peut-être une amante, provoquait. Pour un homme hein, aussi beaucoup de ben voilà qui le mettait dans le dénuement financier, donc c'est peut-être quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent ou dénuement sentimental, c'est quelqu'un en fait qui est dans la tromperie et dans l'adultère. Et donc en tout cas par rapport à cela il y a une histoire il y a quelqu'un qui est déséquilibré financièrement ou qui est très malade par rapport à cela, mais malade psychologiquement. Voilà. C'est ce que je peux dire. Ouais, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé visiblement par rapport à une relation sentimentale. Et en fait, qui n'a pas donné satisfaction puisque la reine de Pentacle est à l'envers. C'est quelqu'un qui est. C'est une femme en tout cas qui est très vénale. Voilà. Ah, qui est très. Voilà. Il n'y a que l'argent qui compte. Donc il y a une trahison. Bon, c'est mes chats, je sais pas si vous les entendez. Le réveil des chats est toujours un peu compliqué le matin. Alors, donc là on va faire le tarot sensuel. Donc bon bah écoutez, des corporations, hein, mes amis. Donc ça c'est le réveil. Donc il y a des masculins en fait la nuit, bah, ils vont recevoir en fait un message du chakra c'est chakra numéro 8 hein, ou le chakra numéro 11, hein, faut choisir. Et donc en fait c'est la carte numéro 22, donc en fait ah non pardon, numéro 20. Donc en fait on est clairement en train de on a fait un cycle complet si vous voulez, et puis là on est en train de prendre conscience on va dire voilà de ce qui se passe hein. Donc en fait là c'est le dévoilement du divin, ça se passe la nuit, c'est des informations qui vous arrivent les masculins. Donc voilà. Alors, ensuite, donc on a le 4 de coupe. Hein, donc clairement, je vous dis, d'un point de vue sentimental, il y a des masculins qui sont complètement dégoûtés. Sur un 4 de pentacle, on va dire que c'est des gens qui partent et qui décident en tout cas de reconstruire les choses, hein, puisque 4, c'est aussi les fondations. 4 chez les Chinois, c'est aussi la mort, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une résurrection, il y a une transformation. Et donc, en fait, là,
On est sur des gens qui partent dégoûtés, hein, puisque toutes les coupes sont renversées. Il y a peut-être encore une possibilité, on va dire, d'une relation sentimentale, mais ça ne les intéresse plus du tout. C'est des gens qui vont reprendre leur pouvoir intellectuel, hein. Là, on est sur un apprenti de coupe, hein, donc quelqu'un qui va, on va dire, dans la matière, se faire plaisir, par rapport en tout cas à par rapport à une femme, reine de bâton. Donc c'est quelqu'un qui apporte sa coupe. On est sur des gens hyper connectés. Voilà, on l'avait déjà eu. Voilà, donc il y a des dauphins et tout, c'est super. Là, on est sur un 2 de coupe, hein, donc en fait, on est sur des âmes. Des âmes jumelles, des âmes sœurs et tout ça. Donc en fait, on est sur un masculin. Bon ben voilà, voilà, c'est une femme du passé, hein, puisque le 2 de coupe est sur le 6. Et c'est une reine de bâton, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion. On est sur la carte numéro 17 du néant et de la mort. Donc en fait, on est sur un vrai recommencement. Et on est sur un 8 de bâton. Ça veut dire que ben, on a beaucoup travaillé. En tout cas, il y a des masculins qui vont beaucoup travailler par rapport à ce lien pour être dans cette connexion, hein, dans cet apprenti de coupe, hein, dans cette connexion. Cette spiritualité, en tout cas par rapport à une femme. Là, on a encore le sage de denier, hein, qu'on avait aussi précédemment, hein, dans un autre tirage. Donc clairement, c'est quelqu'un qui se met au vert, c'est quelqu'un qui bosse à fond, qui travaille sur lui et qui va acquérir une certaine sagesse. Voilà, c'est quelqu'un qui va être dans son intériorité. Et là, nous avons le 4 de denier. Donc en fait, on l'a deux fois. Donc en fait, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui travaille sur un message. Voyez. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a des inquiétudes par rapport à un message. Et donc c'est quelqu'un qui est en train de faire des choses en fait pour travailler sur lui. Voyez. Donc, y a peut-être des personnes, je sais pas, qui vont faire du soin élastique ou, vous voyez, parce que ça fait un peu ça, tu vois, pour se donner peut-être pas des sensations, mais pour se prouver en fait que les gens ont de la valeur. Voilà. Et donc, en tout cas, par rapport à ça, il y a des masculins qui vont sortir de leurs inquiétudes. Et donc là, on a de nouveau le 2 de bâton, hein, qui va permettre une certaine élévation. Donc là, il y a un choix par rapport à une reine de pentacle inversée. Et il y a un choix aussi par rapport à une situation de dénuement affectif, de dénuement financier. Voilà, il y a une décision qu'on est en train de trancher. Et ça concerne en tout cas de l'ancrage, ça concerne de l'abondance, ça concerne une situation dans la matière, parce qu'on est sur un 8 de denier en dessous, par rapport à de la justice. Et donc en fait, on va trancher par rapport à cette situation. Et donc en tout cas, vous voyez, après, ça va être assez sympa, les amis, puisque derrière, nous avons de très belles pyramides. Et donc, grâce à cela, en tout cas, vous allez, les masculins, vous élever par rapport à une relation d'amour. En tout cas, vous allez sortir de votre désert. Donc voilà. Alors, je termine avec. Donc là, bon bah c'est l'enfant intérieur, c'est un homme qui va s'amuser, qui va jouer probablement, voyez. Ensuite, eh bien, en tout cas, c'est une personne qui va être dans l'aide aux autres. Alors, puisqu'on fait les féminines et les masculins, on va dire qu'il y a peut-être aussi quelqu'un, les féminines, un homme qui va vous aider ou qui va vous tendre la main, ou c'est une femme qui va vous tendre la main. Ça peut être aussi fait d'une certaine manière, cette façon d'être, hein, le message. Ça va peut-être être un peu drôle, un peu naïf, un peu rigolo. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui, on va dire, agit un peu comme un enfant, ou en tout cas va agir comme un enfant, sans réfléchir. Hein, c'était ma message. Et donc, en tout cas, ça va être une guérison, d'âme. Voilà, et puis ça va être aussi pour les masculins, vous allez.
acquérir un certain savoir antérieur, et c'est peut-être des guérisons aussi par rapport à des arbres transgénérationnels. Il y a peut-être aussi des masculins qui vont se faire aider, qui vont se faire aider par rapport à une guérison d'âme par des gens, des psychothérapeutes. Ça peut être de toute forme, ça peut être aussi de l'hypnose, voyez, tout ce genre de choses. L'hypnose, c'est très très bien d'ailleurs. Et donc, en tout cas, ça va vous guérir, ça va vous faire sortir en tout cas de cette situation. Évidemment, bon, bah là, écoutez, ça concerne des relations de flammes jumelles. Voilà, moi, ce que je sens, c'est de l'hypnose. Savoir antérieur, parce que vous allez, il y a les masculins qui vont cheminer par rapport en fait à leur arbre généalogique. Et donc, ça va vous guérir évidemment votre âme, vous allez sortir du chaos. Et ouais, c'est psychothérapeute, c'est pas genre psychanalyste, hein, ça n'a rien à voir. Puisqu'en fait, on va retourner sur des blessures du passé, c'est pour ça qu'on a les enfants. Et donc, en tout cas, c'est grâce à peut-être cette hypnose que vous allez retourner sur un savoir antérieur et que vous allez découvrir votre relation de flamme jumelle, pour certains évidemment. Et donc tout cela évidemment va être, c'est orchestré par le divin, et dans la matière c'est suite à la fin d'une relation brutale. Et donc il y a peut-être aussi une fin de relation brutale qui s'est passée dans des vies antérieures par rapport à des flammes jumelles. Et tout ça en fait les masculins vont le comprendre par rapport en fait à une guérison d'âme, et par rapport au fait où ils vont se faire aider. Ils ne pourront pas faire ça tout seuls. Et derrière, en tout cas, on vous dit que tout ça a été bloqué parce que vous avez trop travaillé. Voilà. Et en dos, nous avons la prison. Donc voilà, écoutez, on a eu la mort, on a eu le squelette, et maintenant on a la prison. Donc on arrive vraiment à la fin d'un cycle avec le masculin. Et donc en tout cas, parce que le masculin se sent en prison, il va aller en tout cas se trouver l'aide des autres. Voilà. Alors ensuite, on va tirer Marie. J'aime bien ces cartes, elles sont rouges, c'est la passion, c'est les roses rouges. Donc là, on a Notre-Dame de la couronne de roses. Donc voilà, écoutez, clairement, c'est des gens, c'est l'équivalent de la lettre hébraïque Shin, c'est le feu. Donc en fait, il y a des gens qui sont en train de percevoir l'envers du décor, qui sont en train voilà, carte numéro 40, on est toujours dans 4. Donc en fait, c'est des personnes qui sont sur le seuil de quelque chose de nouveau, donc on est sur un dévoilement. Là, nous avons l'océan de la Renaissance. Donc, c'est des gens qui vont traverser leurs émotions et qui, grâce à ça, en fait, vont renaître de leurs cendres aussi. Carte numéro 28, c'est toujours par rapport soit à une décision, peu importe laquelle, dans la matière, dans la vie, et c'est par rapport à une relation sentimentale. Et donc, en tout cas, ça donne 10, et donc ça va être l'opportunité, si vous voulez, voilà, l'opportunité en tout cas de renaître à soi-même. Et donc là, comme hier, nous avons Notre-Dame du recommencement. Donc en fait, c'est une situation qui, voilà, qui en fait, cette relation qui revient, parce que carte numéro 29, c'est ça. C'est un lien qui revient, parce que c'est 29, 9 évidemment c'est l'ermite, donc en fait on est sur quelqu'un qui est en train de prendre conscience, voilà 29 ça fait 11, hein, on est dans le chakra numéro 11, d'un recommencement, et c'est par rapport justement à une relation de flamme jumelle, ou c'est par rapport à des schémas karmiques récurrents. Et donc là nous avons en dos, nous avons le changement pacifique. Donc c'est quelqu'un clairement qui va prendre soin de lui
qui va être sur un dévoilement, on va dire, ça va se faire de façon assez douce. Carte numéro 12, c'est le pendu. Donc en fait, c'est des personnes, voilà, il y a peut-être des gens, je vous dis, ils vont aller, enfin, ils vont aller suivre en tout cas des séances d'hypnose. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande. Je vous dis, j'ai tout testé dans ma vie, hein, donc il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Et c'est vrai que l'hypnose, c'est quelque chose qui vraiment aide énormément à la compréhension de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est peut-être ça. Je finis par Donc là, on est avec des hommes qui ont un manque d'ancrage. En tout cas, vous allez avoir un manque d'ancrage pendant 15 jours. Donc en fait, après, vous allez avoir une élévation, les masculins. Vous allez sortir de la superficialité. Vous avez été superficiel pendant 7 mois. Et donc en fait, on va dire que vous allez en tout cas percevoir l'ajna, hein, vous allez avoir une ouverture du troisième œil, une révélation, et vous allez être le conquérant de la guérison. En dos, nous avons les démarches écrites. Eh bien, tout va se passer dans la matière avec des démarches écrites, et ça va être le 15 du mois prochain. Voilà, donc je vous dis, il y a des gens qui vont vraiment changer beaucoup de choses dans leur vie. Alors, je finis par Donc là, on est sur une guérison multidimensionnelle, donc quelque chose de très très important pour des masculins. Amour et prière. Carte numéro 5, donc en fait, on est dans le hiérarque, on est dans le pape, hein, donc c'est des hommes qui reprennent en tout cas leur pouvoir intérieur. On est dans Elohim, donc en fait là on est sur la rigueur qui va permettre cette transformation. Elohim, c'est aussi la carte numéro 26, enfin c'est surtout le chiffre numéro 26. On est sur les sentiers de la lumière évidemment, puisque on est dans le chaos, donc tout va cramer les amis, hein, donc voilà. C'est aussi la carte numéro 34, donc vous voyez, il y a beaucoup de 4, hein. 4 c'est Dalet, on est sur le seuil, on est sur la porte et on est sur le changement. Et ça concerne trois guillemets, donc une impératrice. Là, évidemment, bah, pour faire cette transformation, cette réalisation, bah, les masculins auront besoin d'être dans l'intégrité. De même, carte numéro 7, c'est aussi évidemment l'intégrité, c'est le chemin spirituel qui n'a rien à voir avec le chemin religieux. Et donc là, vous allez avoir les masculins une libération, une illumination. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des yeux partout, des troisième œil partout. Voilà, ça fait un peu gyrophare de police. Et donc, en tout cas, là, on est avec Mercure, on est dans la volatilité. Donc, en fait, on est sur les déplacements. On est sur des gens qui vont complètement changer de vie. Voilà. Et c'est la carte numéro 23. C'est par rapport à une relation sentimentale, par rapport à 3, donc par rapport à Guimel, par rapport à une impératrice. Ça donne 5. 5, c'est le pape et c'est aussi l'union. Donc là, nous avons des perspectives qui s'annoncent. Carte numéro 45, et c'est par rapport, en tout cas, je vous dis 4, c'est Guimel, pardon, c'est Dalet, donc on est sur le seuil de quelque chose, et c'est les perspectives évidemment pour récupérer son pouvoir intérieur. Voilà, et bien sur ce, ben je vous laisse, et je vous dis à très bientôt, et puis je vais faire une petite vidéo pour les féminines aussi. Au revoir.